Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui, chers viewers, pour une petite vidéo sur Destiny. Une vidéo d'information, de débat, de questionnement ou je ne sais qu'est-ce sur des nouveaux matériaux exotiques. Alors on va d'abord parler des images que vous allez voir. C'est tout simplement des nouveaux matériaux exotiques qui ne sont pas disponibles et qui n'ont pas été officiellement annoncés par Bungie, mais qui, ne sait-on jamais, peut-être pour arriver dans de futurs DLC. Il reste à savoir si c'est bien dans des DLC que ça arrivera ou si c'est plutôt dans un deuxième Destiny. Comme vous le voyez en fond, certains parlent justement de ce deuxième Destiny, alors que d'autres disent que ce seront que des DLC. Dans tous les cas, ces images sont bien réelles, elles sont bien ici, et elles sont de la database du jeu. Alors comme vous le savez déjà, puisque vous l'avez sûrement gagné, nous avons le droit à l'essence de Cropta avec le premier DLC, et nous aurons peut-être le droit, plus tard, à une essence d'Evex avec un nouveau matériel. Comme les éclats exotiques d'ailleurs qui existent pour améliorer maintenant nos armes, nous aurons peut-être le droit à un éclat exotique qui lui nous permettra d'améliorer les armures. On pourrait bien sûr imaginer que cet éclat exotique se gagnerait en démantelant une armure exotique. Pour finir avec ces matériaux exotiques, on a le dernier en image qui ne fait penser à aucun autre matériel exotique d'ailleurs, qui pourrait nous faire augmenter peut-être nos armes à la manière d'Eris Morn quand elle nous donne les orbes d'embaumement. Une chose pour finir, nous aurons la possibilité, logiquement, de gagner cet emblème, comme vous le voyez, puisque c'est Osiris, donc quand le DLC sortira avec Osiris, et peut-être, la possibilité de gagner un vaisseau exotique, ça c'est une nouveauté. Espérons peut-être qu'on aura le droit aussi à des spectres exotiques, bien sûr après que tout le monde puisse avoir des coques de spectres légendaires. Je vous ai donc donné mon avis, et puis peut-être une façon de penser, ou une façon d'imaginer comment arriveront les choses. À vous de vous faire votre avis, et pour vous aider, je peux vous donner dans la description un lien, celui de la vidéo de Morrigan, qui aura parlé des mêmes choses, des mêmes items, et qui vous aura donné aussi son avis. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, amusez-vous et prenez soin de vous, et ciao bye bye. Dans un deuxième Destiny. Comme vous le voyez en fond, certains parlent justement de ce deuxième Destiny, alors que d'autres disent que ce seront que des DLC. Dans tous les cas, ces images sont bien réelles, elles sont bien ici, et elles sont de la database du jeu. Alors comme vous le savez déjà, puisque vous l'avez sûrement gagné, nous avons le droit à l'essence de Cropta avec le premier DLC, et nous aurons peut-être le droit, plus tard, à une essence d'Evex avec un nouveau matériel. Comme les éclats exotiques d'ailleurs qui existent pour améliorer maintenant nos armes, nous aurons peut-être le droit à un éclat exotique qui lui nous permettra d'améliorer les armures. On pourrait bien sûr imaginer que cet éclat exotique se gagnerait en démantelant une armure exotique. Pour finir avec ces matériaux exotiques, on a le dernier en image qui ne fait penser à aucun autre matériel exotique d'ailleurs, qui pourrait nous faire augmenter peut-être nos armes à la manière d'Eris Morn quand elle nous donne les orbes d'embaumement. Une chose pour finir, nous aurons la possibilité, logiquement, de gagner cet emblème, comme vous le voyez, puisque c'est Osiris, donc quand le DLC sortira avec Osiris, et peut-être, la possibilité de gagner un vaisseau exotique, ça c'est une nouveauté. Espérons peut-être qu'on aura le droit aussi à des spectres exotiques, bien sûr après que tout le monde puisse avoir des coques de spectres légendaires. Je vous ai donc donné mon avis, et puis peut-être une façon de penser, ou une façon d'imaginer comment arriveront les choses. À vous de vous faire votre avis, et pour vous aider, je peux vous donner dans la description un lien, celui de la vidéo de Morrigan, qui aura parlé des mêmes choses, des mêmes items. Et...
ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui, chers viewers, pour une petite vidéo sur Destiny. Une vidéo d'information, de débat, de questionnement ou je ne sais qu'est-ce sur des nouveaux matériaux exotiques. Alors on va d'abord parler des images que vous allez voir. C'est tout simplement des nouveaux matériaux exotiques qui ne sont pas disponibles et qui n'ont pas été officiellement annoncés par Bungie, mais qui, ne sait-on jamais, peut-être pour arriver dans de futurs DLC. Il reste à savoir si c'est bien dans des DLC que ça arrivera ou si c'est plutôt qui vous aura donné aussi son avis. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous et prenez soin de vous. Et ciao, bye bye.